pas les inquiets, vous nous suivez. Bienvenue dans ma fidèle abonnée. Il y a Congo Liberté Télévision, c'est 103 000 abonnés au Bozo Congo. Là, il y a 4 Congo Liberté Télévision. Toyeto Solona Mino, l'actualité politique au Bozo Congo. Il y a la République démocratique du Congo, partout où vous êtes éparpillés dans le monde. Vous continuez à s'abonner, vous partagez, vous likez, vous commentez la émission. Et que ça, la mission malamou mingi, awa tu es que ça, n'a pas de sur la situation sécuritaire à l'est du pays, tu es que ça, awa si réforme de la police nationale, tu es que ça, awa sur l'économie de la République, parce que tu es que ça, awa si j'ai lié surtout sécurité économique, sociopolitique, culturelle, tu es que ça, awa awa, na kati, ya Congo Liberté Télévision. Lélo, émission la mission Eza, titre la mission Ezali. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Rwanda? Nini est comme elle Paul Kagame au niveau du Rwanda. Parce que Kagame, pour lui, Yazoni Mona était, il est l'homme fort de l'Afrique et l'homme fort dans Katia sous le joueur Grand Lac. Bah, il y a surtout au Boyebi. République démocratique du Congo est agressée. Le pays est agressé par les voisins qui est le Rwanda. Rwanda Mutu Aza, partie prenante, racine principale, il y a insécurité dans l'est et dans le Canada. Rwanda a bundisa Congo, a agressé Congo sous couvert, il y a M23. Mais or, Toyebi était, les M23 n'existaient pas. Ce sont les RDF, forces spéciales rwandaises. Lélo, après qu'on mène Nyon surtout, après diplomatie Nyon surtout, moi je suis Félix Tshisekedi Moko à Tombolo Kassadi. De l'Est à l'Ouest, au Nord, il y a Afrique, des sous-régions, il y a Grand Lac, il y a East Africa Communauté, il y a CDAO, le président Félix a passé partout. Pour faire la diplomatie, pour envoyer Bissabatu Touké, la République démocratique du Congo, mon pays, est agressé par les voisins qui est le Rwanda. Personne, Moutou Mokote Andimela qui fait Tshisekedi, pour nous pour nous, nous sommes agressés par le Rwanda. Après, comme une banquette, surtout après le président qui pipe, réalité à RDC, que ce n'est pas les Rwanda, ce n'est pas les M23, mais c'est les Rwanda. Le pays est agressé par notre voisin qui est le Rwanda. Mais tu vas comprendre, Kagame Awangana Kaliboso. Kagame Awangana, ce n'est pas le Rwanda qui agresse la RDC sur le M23. Les M23 sont des Congolais. Tu vas dire, il y a un président, il y a un voisin, il y a EAC, notre voisin, autres années, dans l'East Africa Communauté qu'on appelle le Kenya. Président Kenya, dans le sommet Amérique-Afrique, au Kenya, à l'Oba, était le problème de l'Est de la RDC. Ce n'est pas le Rwanda, c'est un problème congolais. C'est le président William Ruto. À l'Oba, problème, il y a l'Est. Et ça, qui est congolais, Bango Moko. Après qu'on multiplie le volet diplomatique, après qu'on tambola, pour expliquer Batou, même les États-Unis, les experts, il y a l'Union européenne, les experts, il y a les Nations unies, bah, comprenant qu'il peut parler pas qu'il actualité chef de l'État Lubaki. Que oui, le Congo est agressé par les Rwandais. Sikoyo, qu'est-ce qui se passe à l'Est? Nini est comme lui, Paul Kagame. Nini est comme lui, Paul Kagame, parce que Lélo, Paul Kagame Yemoko. Azoléga. Parce que tous les ministres d'affaires étrangères, il y a la République démocratique du Congo, Bexpert, il y a RDC, Bexpert, il y a Rwanda, Bexpert, il y a le pays éblayé. Mais moi, nous sommes surtout Zalina dans Rwanda. Dans Rwanda, place Bakéi, sur le sommet, sur la médiation, il y a président Joao Lorenzo. Médiation, il y a président Joao Lorenzo. Oh, ils ont joué médiateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il est le médiateur, le facilitateur, pardon. Le facilitateur choisi par l'Union africaine
pour mener la facilitation entre les Congos et les Rwanda. Le président João Lourenço a permis ça qui bexpert la République démocratique du Congo sous l'impulsion chef de l'État, madame la ministre des Affaires étrangères, le mandataire du chef de l'État, au représentant chef de l'État, le niveau est encore en Rwanda. Là, il y a DG, il y a DG, même Bazali, il y a pas pays. DG, il y a DG, il y a ANR, Bazali, équipe OESOCO, même délégation à la République démocratique du Congo dans Rwanda. Avant qu'il y ait dans Rwanda, tout le monde qui est en surtout, communiqué à Conseil de sécurité ONU, où est-ce qu'il y ait cessé les faits ESA. Il faut qu'il y ait cessé les faits pendant que tout le monde est là. Cessez les faits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Bituma Ezalate. Mais le cessez-le-feu n'a pas été respecté par le Rwanda. Rwanda a respecté le cessez-le-feu, tout le monde qui Rwanda a contre quoi attaquer. N'a pas attaqué, on a tout le monde qui shit, y a qui rumba, shit à Kanyabayunga. Kirumba est tombé, Kanyabayunga est tombé. Pendant cessez-le-feu et pendant trêve humanitaire. Et maintenant, aujourd'hui, où allons-nous? Rwanda n'a jamais respecté les cessez-le-feu. Tissikoyo, Paul Kagame, n'a armement naïe, pas soldat naïe, mais tu es là pour respecter les cessez-le-feu. Bissot, ben n'a pas de bissot. Tu respectes les cessez-le-feu en tant que l'armée professionnelle. Le lot. Depuis la semaine passée, le samedi, la semaine passée, dimanche, lundi, tout le monde a qui repris le combat. Combat est zongaki entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Retour à combat. Comme les gens sont avivés, comment est-ce qu'après le retour à combat, Bitumba O et Bundami entre les M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, il y a Rwanda. Plusieurs militaires. Rwanda a subi perte énorme. Na bitumba ya vendredi, bitumba ya samedi, na ya dimanche, na ya lundi, les forces militaires rwandaises, le Rwanda, a subi perte énorme en armes et en munitions. Parce que Paul Kagame, pour imposer le dialogue au Yazoluka, pour imposer la République démocratique du Congo, dialogue, pour lui, il doit récupérer Rutshuru centre et Masisi. Centre Masisi. Donc, il y a une position à RDC. Pour ne pas récupérer Rutshuru centre, pour ne pas récupérer Masisi, petit Masisi. Parce que ça a facilité Kichanga. Pour y aller tout. À Bosani, que la République démocratique du Congo est une armée professionnelle. L'armée professionnelle de la République démocratique du Congo. Elle n'a pas besoin d'attaquer, mais tu peux te zonger ça qui va attaquer. L'armée est continuée à attaquer pour le Rwanda. Elle continue à attaquer jusqu'à ce que ton bandit soit attaqué par le Rwanda. Bon, il y a un objectif de Bango Ezalaki était ça qui est tombé. Malheureusement, parce que l'armée congolaise était même bien préparée. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont protégé qui cité et ont contourné la position de la M23, ont attaqué la M23 au niveau de Kounaga. Et moi, je ne vous parle. L'armée rwandaise, force spéciale de Rwanda, bazana matanga na kati ya Kigali. Le nom a été sur le Nabino Sangan. Bazana matanga na kati ya Kigali. Pourquoi? Parce que niveau au Wazalendo, le voyant combattant, le voyant, le Wazalendo, elle va attaquer position y a M23. Ba Rwanda, ba Nyarwanda, ba Pakatimba. Raison pour laquelle ils ont perdu côté armée rwandais, perdu côté force spéciale y a Rwanda. Parce que tu vas éviter
na minicho matanga na kati ya Kigali, matanga zana kati ya Rubaya na Rubavu, matanga na matanga. Pourquoi? Parce que notre armée qui est bien positionnée, l'armée professionnelle. Armée professionnelle, on attaque position M23, on l'élise pour Kagame, on l'élise Kagame n'arrive pas. Nini est comme lié à niveau Rwanda. Parce que lui-même, Azana lui médicalisé, côté on peut pas soldat Longolaki. Parce qu'avant à voyager à Benganaki, plus ou moins 1200, plus ou moins 56 officiers, pardon, pour Achaki Libanda. Et pas officier au Yachaki Libanda. Bah, moi, on a des babaloukeli. La fois passée, on a vu ça qui vient de Yahi, la salle qui vient de Mission Robaki, rencontre la chef d'état-major général. Il y a Rwanda, y compris Muhoozi Kaguta, le fils biologique de Yoweri Kaguta Museveni, qui dirige l'armée ougandaise, UPDF. Bah, Kaguta n'a qu'un niveau à Ouganda, à Kampala, pour parler un peu la situation sécuritaire au Rwanda. Pour parler de la situation sécuritaire au Rwanda et pour parler de la situation sécuritaire à l'Ouganda. Pourquoi? Parce que les deux pays, à grâce de la République démocratique du Congo, sous couvert de UPDF, des ADF Nalu, sous couvert de M23. Quand on va agresser, ils sont sous couvert de ADF Nalu, quand on est sous couvert de M23. Mais malheureusement, je l'ai dit et je le répète, je pèse mes mots toujours, que la République démocratique du Congo doit prendre courage de rompre cette opération conjointe avec l'armée ougandaise. Mais Tchela Kibino, moi, Maloba Mwana Museveni, il a dit ceci. Tous autres travaillent pour la sécurité à les deux pays. Sécurité à les deux pays entre l'Ouganda et sécurité à Rwanda. Pourquoi? Parce que nos ennemis qui sont au Congo Kinshasa. Et les noms. Quand on attend la chef d'état-major général de l'armée congolaise, le général d'armée Christian Tshiwewe, il y a Kokota Namwana Museveni na Kasindi. Dans la salle de la mission, je regrette mon général, que j'aime beaucoup. Le général qui travaille pour aider le chef de l'État, mais place on a dans la position, il y a opération sous Jao et Botikayango. Parce que moi, je suis venu, il n'est pas avec nous. Tout si Azan est venu, je suis venu. Bah, Twitter, elle n'y a surtout. Bah, Twitter, moi, je suis venu, je suis venu. Il a dit clair. En cas de guerre directe dans l'Ouganda, Rwanda, il va soutenir l'Ouganda parce que ma oncle est là. Le loca gabe à l'Obanini, à l'Obanini, problème n'a yé, et c'est la commande, problème n'a yé, et ça va FDLR basana kati République démocratique du Congo. Les FDLR qui sont en République démocratique du Congo. Mais le loca, bande colonne à Congolais, tu l'as dit, évêque Moko na Uvira. Na église, ancien évêque ya Uvira. Alors, dit clair, na église. Les Banya Moulenge n'existent pas. Les Banya Moulenge n'existent pas. Il n'y a aucun tribu au Congo qu'on appelle les Banya Moulenge. Nous tous qui sommes au Congo, nous ne sommes pas les Banya Moulenge, nous sommes des Tutsis, nous sommes des Rwandais. Même pas aujourd'hui, même pas demain. Les Banya Moulenge n'existent pas. Les Banya Moulenge sont des Rwandais, sont des Tutsis. Moutoua Lobéo, évêque, ancien évêque Yakouvira. Oh, nous sommes bien à Banya Moulenge, Aza Rwandais, il est Tutsi. 1974. Quand Moutoua Zahirise Kongo. Les Banya Moulenge n'est pas Rwandais, par contre, il n'y a pas de nationalité. Après ça, mon nationalité, est-ce qu'il y a l'ordonnance loi dans 1976, Mobutu a désavoué la nationalité ou la Banya Moulenge? 1974, Mobutu a appelé ça mon nationalité. Le Rwandais, tu vas se retrouver dans la RDC. Dans 1974, l'époque de la zaïrisation, Mobutu les a donné à tous les Rwandais là, l'époque de Bisengimana, le père de Bisengimana, au général. Tant que le directeur de la cabinet Mobutu. Nous connaissons l'histoire. Et aujourd'hui, on nous parle des Banya Moulenge. Les Banya Moulenge n'existaient pas.
450 ethnies au Congo. Il n'y a aucun ethnie qu'on appelle les Banyamulenge. Il n'y a aucun ethnie qu'on appelle les Banyarwanda. Bazatia. 74 bazui nationalité. 76 mon bouton a désavoué Orgona Swan. Aboya Yango. Anila Yango. 94, 96. 94, accord turquoise. Bah tu vas y aller 94. Il y a eu accord turquoise. 96. Nous avons banni rébellion 97 à Pessi Bamba nationalité de Soussou. Cette opération turquoise, où et Luka était, tout fond la couloir humanitaire, quand il y a eu massacre entre les Hutus et les Tutsi. À l'époque, là, en 94, il y a les deux présidents Bakoufa en avion Moko, président Juvenal Habyarimana et président rwandais. Il y a eu président burundais et président rwandais après avoir été consigné accord d'Arusha. Et cet accord d'Arusha, il y a été massacre, il y a Hutu et Salim. Parce que jusqu'à présent, les Congolais disent il y a eu massacre de Tutsi, il y a eu massacre de Hutu. Parce que ce sont des Tutsi qui ont massacré, qui ont saccagé les Hutu. Et bien, FDLR, qui m'a dit que sont des Hutu. Et en 96, 98, 98 à 2003, il y a eu accord sécurité entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les FDLR de Paul Kagame. Il pour arrêter les FDLR. Il y a 5 ans. Pourquoi ils n'ont pas arrivé à neutraliser les FDLR? Et aujourd'hui, Kagame qui disent j'agresse la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que les FDLR qui ont besoin de créer une insécurité dans le Canada, bah, qui mène la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, il n'y a aucun FDLR au Kagame à mon nom à créer une insécurité dans le monde. Parce qu'il y a eu accord, existe. 2003, avant que Kenden. Accord global inclusif. Dans Sun City. L'accord à Sun City existe. Il faut pas neutraliser tous les FDLR. Ils ont neutralisé les FDLR. Et les locaux, quand ils me parlent, le problème est le FDLR. Fachi Beto, il a séparé les locaux. Alors, Miboy, d'accord, on va neutraliser les FDLR. Après qu'on neutralise les FDLR, nous sommes obligés de mettre mire entre les Rwandais et la RDC. Pourquoi Bango Bazole là? Fatia le dit aux autres ton ami. Après qu'on s'il s'est dit tout bas, pendant qu'on protégeait le peuple congolais, je vais mettre mire entre le Rwanda et la RDC. Et mire Rwanda. Et ça paye les possibilités de Tchambi. Entre le Kurde, il y a Turquie et le Kurde, il y a Syrie. Il y a mire séparables. Alors, puis il faut Tchambi Rwanda. Entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda, il faut Tchambi. Pour tu inviter l'insécurité. Et le chef de l'État a signé avec une société turque pour que ça la mire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, frontière, il y a RDC, il y a Bandi Kobanda, Bunagana, et il y a Kassindi, Kassindi, et il y a Rubavu, Rubavu, et il y a Tanganyika. Mieux vaut dépenser 10 milliards, tu as mis, mais tu as vivre en sécurité. Tu as tous un assiégé dans la mission. Maintenant, cette attaque, perte en armes et en munitions aux armées rwandaises et civiles. Ndebo Moni, na accord maintenant aux Tosana en Rwanda. Na Masolo Salem en Rwanda, Paul Kagame a se retrouvé bloqué. Paul Kagame a se retrouvé, il est bloqué. Sur le plan diplomatique, il est bloqué sur le plan sécuritaire. Parce que hier pour la hier, les États-Unis, l'Union européenne, ne faut pas protéger. Quand on a un accord à signer qui n'a pas anglo, et l'accord, il y a des réfugiés, l'accord où le premier ministre a annulé. Alors, le Rwanda est un pays d'unité, il ne faut pas dire qu'il y a un Rwanda. Il y a un espace. Maintenant, il y a un espace. Parce qu'il y a quelqu'un qui a signé un accord avec des réfugiés, il y a Londres et il y a un Rwanda. A côté à Bango Wapi. Quand on a un cas de Rwanda, Bango Moko conflit Aza incapable à si ça conflit Aza le cas de Rwanda. Quand on a un père République démocratique du Congo, alors il faut attaquer Bango. Parce que aujourd'hui, je vous dis, mes frères congolais, il y a accord, il y a coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie. Et c'est là qu'il y a un projet. Maintenant, il y a un accord qui seront signés d'ici dans la dernière. Dans le dernier mois,
le 20 au 27, il y aura accord entre la République démocratique du Congo et la République fédérale de RDC. Il y aura accord, il y a coopération militaire. Oh, et c'est là qui projette. Parce que les gens, par interprétant qu'il y a un mabé, les gens disaient qu'il y a eu coopération militaire entre la Russie et la RDC. Il y a eu accord des projets. On a mis un projet entre la Russie et la République démocratique du Congo sur le plan de la coopération militaire. Et cet projet, on a étudié les experts. Il y a armée russe et les experts, il y a armée, il y a République démocratique du Congo. Après, pour étudier ces projets, après finir, il y a pour étudier ma projet. Maintenant, on va aller à la signature, il y a accord. L'accord, il y a coopération dans le domaine, il y a renseignement militaire. Accord, il y a coopération dans le domaine, il y a armée de terre. Accord, il y a coopération militaire dans le domaine, il y a armée de l'heure. Et cet accord maintenant, qui vont réunir les experts militaires, il y a forces armées, il y a République démocratique du Congo. Les experts militaires, il y a forces armées, il y a République unie, il y a République fédérale, il y a Russie. Sur ce, les deux pays, les deux présidents, Vladimir Poutine, il y a Russie, le président Félix Tshisekedi, il y a République démocratique du Congo. Na sommet, Russie-Afrique, Erbakou Tanaka, na Sochi, ils ont parlé sur cet accord de coopération militaire. Et cet accord de coopération militaire, n'est pas expert, mais qui ont travaillé déjà. Ils ont parlé et développé le projet, il y a accord, il y a coopération militaire. Il y a eu d'abord un projet, il y a accord, il y a coopération militaire. Les deux présidents ont convenu de discuter sur cette situation. Ils ont discuté, ils ont mis une commission en place entre la commission, il y a forces armées russes, et la commission, il y a forces armées, il y a République démocratique du Congo. Et cette commission, Ba expert, il y a armée de l'air, ba expert, il y a armée, il y a force navale, ba expert, il y a force terrestre. Et en même temps, ba expert, il y a renseignement militaire. Et ces experts, il y a renseignement militaire, après qu'on développe ba projet Wana, ba expert, il y a Mboka, ba étudier était, il faut aller dans l'accord. Et cet accord, qu'il y aura maintenant, il y aura une convention et un contrat entre les deux pays, entre l'armée et les deux pays. Armée russe, dans l'armée de la République démocratique du Congo. Dans le domaine, il y a formation militaire. La Russie va aider la République démocratique du Congo. Dans le domaine, il y a formation militaire. La Russie va aider la République démocratique du Congo. Dans le domaine, il y a partage des informations et renseignements militaires. La Russie va aider la République démocratique du Congo. Dans le domaine, il y a fabrication, il y a armes sophistiquées. Après avoir étudié ce projet, les experts. Il y a forces armées russes, les experts, il y a forces armées, il y a République démocratique du Congo. Bah, où tu consilies ça? Bah, c'est ici projet. Et projet maintenant est abouti dans accord. Et ce projet, donc là, c'est ici projet. Maintenant, il faut aboutir dans la signature, il y a accord. Et cet accord, maintenant, est pour aider, bah, développer, bah, projet entre les deux armées. Dès que quelqu'un qui a Rwanda a découvert. Que Tshisekedi, dès que Kagame, Nani, Amérique, a découvert que le président Félix Tshisekedi a qu'un Arissi. A qu'un Arissi, le président qui a qu'un Arissi. Parce qu'elle va développer, on a Brit Nani, Brit Nani, Célébité. Brit, Eza, association, il y a les cinq pays. Russie, Chine, Inde, Brésil, dans Afrique du Sud. Mais par contre, bah, directoire, il y a Brit. À l'époque, on a Brit dans les alimentaires. Si on a mis tout ça dans Brit, Brit, c'est un ami. Et il y a, comme on dit ça, autant. Opposant, opposition, il y a autant. Autant aux organisations de traite atlantique. Organisation des traités atlantiques, dans Brit. Donc Brit, et il y a, comme on dit ça, autant. Soit, aux ans, autant. Aux ans, non. Groupe, il y a pas impérialiste, qu'on en a autant, soit aux Anarissis, qu'on aux Anabrites. Sur le plan économique, d'abord les gens doivent comprendre. Dans le cas il y a autant, hormis les États-Unis, pays mini, ils ont un pays même à casse qu'on est quand même. Hormis les États-Unis, pardon. Pays mini azana PIB fort qu'on est Katirki, na Katia, autant. Allemagne n'a pas une armée fort que l'armée turque.
L'Allemagne a une armée forte que l'armée indonésienne. Parce que l'armée le plus fort il y a Europe, c'est l'armée il y a Allemagne. Dans la Union européenne, le pays moteur de l'Union européenne, c'est l'Allemagne et la France. Nous avons une armée politique et militaire. L'armée il y a l'Inde, est plus puissante que l'armée il y a France. L'armée il y a l'Inde, est plus puissante que l'armée française. Armée dans le domaine militaire, armée à Chine, budget armée à Chine, et l'équipe budget armée, il y a Angleterre, et l'équipe budget armée, il y a France, et l'équipe budget armée, il y a Allemagne. Brésil, l'armée brésilienne est plus forte que l'armée belge. Pour vous dire, l'armée russe est la première armée le plus puissante au monde. Équipement militaire, nombre de soldats, budget armé, tout. La Russie est plus forte que les États-Unis. Dans les minutes, la comparaison, tu vas comprendre. Pourquoi tu sais qu'il y a une coopération militaire à quelle en Indonésie, à quelle en Russie, à quelle en Chine, à quelle en Serbie? Dès que le président de la République a compris que les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne, bah on est basé dans la base de la sécurité à RDC. Il faut qu'on nous allie nini. Il y a taille oyoyo à quoi aider la République démocratique du Congo. Parce que oyoyo l'Union européenne, na États-Unis, on est basé dans la nini na tu peux nga nini. Quatre pays, partenaires privilégiés. Et ce partenaire privilégié, il n'a jamais été derrière la RDC. Partenaire privilégié, on a attiré pour soutenir la République démocratique du Congo. Ni de loin, ni de près. Partenaire privilégié, c'est qu'il y a mon nom. Depuis Bitumba Est et Bandi, depuis Tozo Boma Barwande, Est et Nakombo, depuis M23, Azo perdre Barwande. Parce que Tshisekedi a pris conscience que Batu Oyo, Azam Mututoko Edete, Baza Batu Bako Edaka Bisote. Ni l'armement, ni la préparatif y a combat. Rouen RM Nanika, États-Unis, a tiré qu'on aide Bisote. Elle toque Chine, elle gouvernement congolais et mon été. Il faut un look à partenaire Moussou. Et partenaire, on est au bois comme la Chine. La Chine, maintenant, dans la coopération militaire, la Chine te signe qu'il est déjà accord. Il y a fabrication, il y a munitions, il y a explosifs, il y a niveau au Katanga. Il y a l'Ikasi. Chine, tout ce qui est déjà, il y a lancement de l'industrie militaire au Katanga. Il y a Jean-Pierre Bemba a représenté le chef de l'État. Le chef d'État-major général était là, il a représenté l'armée. Le chef non, ministre des armes, ministre de la Défense de Chine, Azala Kiwana. Et l'ambassadeur de la Chine, Azala Kiwana, te lancé. Industrie, il y a munitions, n'est pas explosif. Place où on a déjà Amérique, l'Union européenne, il devrait déjà comprendre que partout Oyo, Bazui va allier Moussous. Et allier Moussous au RDC Azui. Tu as la force Nibala, soit tu as un être, ou soit phase. Soit phase ou naître. Et puis c'est tout ça là qui choix. Tshisekedi l'a dit devant l'Union européenne, devant le président Emmanuel Macron français. Alors lui, la France, nous sommes avec lui. Nous avons collaboré. Mais et empêcher qu'on ait été collaboré dans la Russie. Et empêcher qu'on ait été collaboré dans la Chine. Et empêcher qu'on ait été collaboré dans l'Inde. Et empêcher qu'on ait été collaboré dans l'Afrique du Sud, dans l'Égypte. France, nous avons collaboré dans Bango. En tant que partenaire stratégique, il y a la République démocratique du Congo, un allié le plus longtemps possible. Maintenant, on doit aller chercher d'autres partenaires qui peuvent nous aider. On a un problème, il y a insécurité dans l'Est. Raison pour laquelle Tshisekedi est allé avec la Russie, avec la Chine, et l'Inde et l'Indonésie, la Turquie, la Serbie. Ce sont ces pays qui ont répondu présents de soutenir la République démocratique du Congo, de lever l'embargo, de soutenir la République démocratique du Congo, dans le Congo là.
nini ya kolongo la nini oyoyo nini embargo kolongo la mesure en notification. La Russie, la Chine sont des pays qui nous ont aidés. Et comme que l'embargo et la mesure en notification va payer on a élu moi qui token partenaire stratégique sur le plan commerce. Dès beaucoup on a dans le domaine du commerce. Le président Tshisekedi a amené le ministre Jean-Julien Paluku au sommet de FOCAM, sommet c'est Forum Chine-Afrique. Avant d'être dans le sommet de FOCAM, c'était d'abord Forum Chine et la République démocratique du Congo. Beaucoup ont été plusieurs gouverneurs, ils étaient là, plusieurs ministres ont participé. Et Julien Paluku qui était parmi Batio Bazalaki na base de Forum, c'est lui qui a signé les accords dans le domaine du commerce. C'est lui qui a signé les engagements dans le domaine de l'agriculture. Parce que nos produits, il y a fabricants, il y a la République démocratique du Congo. Et qu'il y a la Chine. Paluku était là. En même temps, l'OCC, Office congolais de contrôle, est signé qui est accord, il y a convention, il y a une société qui a contrôle, il y a Chine. Pour l'échange d'informations, pour l'ander là. Les produits, ils ont prohibé, les produits, ils ont non prohibé. Mais comment on a été pour développer l'OCC, pour développer le laboratoire, il y a OCC, l'entreprise chinoise a indiqué qu'il faut soutenir OCC. Raison pour laquelle ils ont signé un contrat ensemble avec le ministre du commerce extérieur, qui est Julien Paluku, qui est chef direct, il y a entreprise office congolaise de contrôle. Mais comment on a été les produits ont été fabriqués dans la RDC, et côté comme la Chine, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie numérique, la Chine. La Chine a accepté d'accompagner la République démocratique du Congo. Les gens qui ont été mis en place, ils ont Congolais. Toi, accompagner mon Kondia Mboka, toi, accompagner le chef de l'État et sécurité à l'Est et aussi là. Pour le Rwanda, il faut que Tshisekedi fasse la tripartite. Rwanda, M23 et la République démocratique du Congo. Fatipe Alobi, pas question. Avec les M23, AFC, pas question. S'il y aura les engagements, il faut avec Kagame. Et pas pour signer les accords. Pour dire à Kagame pourquoi Amoumisa Kamboka n'a pas. Pourquoi Azobo m'a pas compris. Nous avons une position de chef de l'État. Ma Kambo, non, tu es sur le Naba M23, exacte. Ma Kambo, tu négocies, exacte. Ma Kambo, accord Naba M23, exacte. Ma Kambo, non, brassage et mixage, exacte. Parce qu'il y a eu déjà loi, il y a programmation militaire au l'État congolais, à l'Ansaki, et il y a aussi. Pas question de brassage et mixage. Et si nous avons l'Assemblée nationale, le gouvernement a salakiamo. Nous avons été, surtout derrière nous, tout accompagné. Le gouvernement, je dis que tout accompagné, nous avons travaillé, ma casse, tout le monde était. Nous avons le ministre de la Finance. Nous avons travaillé trop vite, tout le monde a réformé, a initié le niveau de Gérald, le niveau de DG, le niveau de DGDR. Tout le monde était paix. Moussala n'a pas eu un niveau politique et monétaire depuis que le gouvernement Jidit Souyouna Toulouka est là avec l'Argentin de la République Doudou Fouamba qui travaille matin, midi, soir pour aider le chef de l'État. Il y a réussi le mandat dans le niveau politique monétaire. Merci beaucoup, Nabakongoma, je vous remercie.